Bonjour. Ça va? Ça va bien? Ouais, ça va et toi? Bon, là on se dirige au camp des Loches ce matin. Vous allez me suivre? Allez, c'est parti. Montez, on va où là? Là on va au camp des Loches. Ce matin on est en entraînement, on a rendez-vous à 9h15. Ça va, là on va être à l'heure, il est 8h38. C'est une semaine importante là. Ouais, c'est pour préparer les demi-finales de play-off à Amnéville contre Monaco. Ça va être une belle affiche, je pense. Et on va découvrir, on va voir comment ils sont. Et j'espère qu'on va réussir à gagner les play-offs. On va commencer par les points améliorés. Il y en a quelques-uns et c'est normal. La première chose, dans tout le match, on a été souvent en difficulté sur les touches. Pourquoi? Parce que sur les touches, ils ont souvent amené beaucoup de monde et de la densité. Derrière, bonne réaction, bonne fermeture. On joue avec le gardien, on ouvre. Ayman qui se présente, excellent. Ça, c'est une équipe, les gars. À travers cette situation et cette action, vous montrez l'équipe que vous êtes. C'est parti, les gars. Pio. Nous, on arbitre. Moi, j'ai pas une carrière d'arbitre. Hein. Moi, je pense qu'à un moment donné, elle est touchée, elle est au blanc ou elle est au jaune. Mais parce que je pense. Mais après ça, vous devez l'accepter. Hein. Ça, c'est pareil en match. Hein. Il faut savoir vivre avec les frustrations, les accepter et continuer à jouer. Lui là, il est grave heureux, lui, sa petite tête. Là. Mais il est arrivé à but. Mais non, c'est faux. T'es au courant, on rentre demain. Ouais, je sais. Normalement, on va demain, on joue, on gagne, on rentre. Et t'as prévu pour une semaine, là? Hein? T'as prévu pour une semaine, on dirait? Non, même pas. Ah. Lucas, c'est parti? C'est parti, hein. Direction de Neuville pour les demi-finales. Go! Nancy, je suis un fan du PSG. Ah bon? Je loupe pas un match. Que fait un jardinier quand il ment? Ça commence par quoi? Il raconte des salades. Voilà, salade. Plus de carottes que de riz, c'est pas normal ça. Je me suis fait carottes. Trop fou. Je dis. Les carottes, c'est quand même. J'aime pas les carottes. Mais regarde son plat. Je dis, c'est quoi ça? Là, je me suis trompé. C'est quoi le menu? Un peu de pâte, et un peu de poulet et sauce tomate. Je pense que c'est un très bon plat. T'as bien dormi? Ça va, bien dormi.
On a passé une bonne nuit à l'hôtel. Là, on va voir le terrain. Et à 15h, le coup d'envoi. Hein. C'est important de venir reconnaître le terrain avant le match. Ouais, c'est important, comme ça on sait déjà ce qu'il y a, les défauts qu'il y a et les qualités aussi qu'il y a. Je pense que c'est bien que vous soyez passé voir le terrain, ça permet d'avoir une petite idée, d'avoir des petits repères, de voir la pelouse. Est-ce que vous allez être capable de surmonter les qualités que vont vous proposer Monaco? La question, elle est là. Et c'est ça une grande équipe. C'est ça un grand groupe. C'est ça la force d'un collectif. Messieurs, bon appétit et bon match. Nature basilic. Bonjour. Première chose, Lucas il a raison, vous avez travaillé, vous êtes prêts. Moi j'ai même envie de rajouter, c'est pas que ça fait toute la semaine que vous êtes prêts, depuis toute la saison. Parce que pour en arriver là, c'est dû à la saison que vous avez faite. Bon match à vous. Suivez les gars, un peu de sucre. Oh les mecs, des ballons faciles, coup franc, on leur rend. Oh les mecs, gardez notre calme les mecs. Oh, c'est du foot les gars, on a fait plein de matchs cette saison. On a gardé notre calme, c'est pas aujourd'hui qu'on va le perdre les gars. Première mi-temps, c'est passé, on repart à zéro les gars. C'est 45 minutes les mecs, allez hein. Récupérez. Younes. Quand il est là, il faut décaler et c'est toi qui le récupère. Nemaya, il vient là. Mouta, il vient là. Ici, ça ferme. Et là, Zoumana, c'est toi là-bas. On joue à 2-6. Regarde où t'es. On a 45 minutes d'une finale, les gars. 45 minutes d'une finale. Toute la saison, vous êtes battus pour ça. Toute la saison. On savait que ça allait être dur. Mais pensez, c'est dur pour eux aussi. C'est très dur. Si on fait ce qu'il faut, on va leur faire très très mal. Allez gars, on continue. Pour vous comme pour nous. Au revoir. Comme ça, c'est difficile de tirer un bilan, mais je pense qu'on a récupéré des joueurs à un certain niveau. On les a amenés jusque maintenant là à la fin de saison. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont progressé, qui se sont améliorés. Et c'est quand même l'objectif et c'est le but de la formation.
Après, quand on peut valider ça par des titres et gagner quelque chose, c'est encore mieux. Et cet après-midi, il y a de la déception. Parce qu'on mène par deux fois. Et deux fois, on s'est fait rattraper au score. Et ce but de l'égalisation nous fait quand même très mal. Et derrière, voilà, c'est un axe d'amélioration, c'est cet aspect mental. Voilà.